Coucou maman, je suis rentrée. Oh, coucou ma chérie. Ça s'est bien passé ton premier jour au lycée? Oui, ça s'est plutôt bien passé. Sais-tu où est ton père? Bah non, je peux pas savoir, je viens juste d'arriver. Bon bah, je pense qu'il est dans sa chambre. Enfin, dans la nôtre. Oui, bah c'est bon, je te comprends. Bon, je peux aller dans ma chambre, c'est bon? Oui, vas-y, vas-y, comme tu veux. Ouais. Ouais, attends, en parlant de ça, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Où est Tineo? Tu crois que je sais? Réfléchis un petit peu, Noémie. Ton frère, ça se trouve, il est toujours pas rentré des cours. S'énerve pour rien. Ah, elle commence à avoir son caractère, là. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire dans cet endroit ennuyant? Il n'y a tellement pas beaucoup de choses à faire. En plus, ma mère veut toujours pas m'acheter un PC. Elle commence vraiment à m'énerver. Il n'y a rien à faire. Bon, je pense que je vais retourner en bas, c'est une meilleure idée. Agent Christopher, mission accomplie. Je suis dans la chambre de ma grande sœur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voler son poste, t'es sûr? T'es sûr que c'est une bonne idée? Agent! 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 Christopher! Oh! Réponds! Je suppose que ça se joue entre toi et moi. Mais où est-ce que je peux aller le cacher, ce petit poste? Elle va forcément se rendre compte. Agent Christopher, tu me reçois? Ah, il m'entend plus. Bon, je vais y aller. Faut surtout pas que je me fasse remarquer. Maman? Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux me donner une activité à faire? Va ranger ta chambre. Mais non, mais une autre que ça, une plus intéressante. Va ranger ta chambre! Mais non, je t'ai dit! Tu vas m'écouter? Dans ce cas-là, je sors avec mes copines. C'est ça, fiche-moi la paix. Pars loin de chez moi. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est chez moi ici. J'étais là avant toi, alors tu vas te calmer. C'est pas parce que t'as 18 ans que tu vas te la crâner. Ok, on se calme, mamie. Ah, elle va m'énerver, cette fille. Elle commence vraiment à être grande. Ça m'énerve. Je sais pas ce que je vais faire. Faut vraiment que je trouve une solution. Chérie? Ah, tu es là. Tu étais passée où? J'étais en train de faire caca. Bon bah, je crois que je vais y aller. Je comprends mieux son odeur. Bon allez, moi je dois continuer. Si c'est pas prêt pour ce soir, je vais vraiment me faire crier dessus. Bon. Je vais ranger ça vite fait là-bas. Et je vais me préparer un sac. Alors, je vais prendre ça. Je vais... Je sais pas où j'ai rangé mon iPhone. Bon bah, je vais pouvoir m'en passer. Je vais aller demander à maman qu'elle me prépare un truc. Je vais prendre mon sac. Maman? Oui? Tu peux me préparer un goûter, s'il te plaît? Non, tu vas te le préparer toi-même. Oh, elle a le seum, ma petite fifille. Donne-moi ça. Timéo! Noémie! Bon, t'as intérêt de me le préparer quand je reviens. Si c'est pas prêt, ça va pas aller pour toi. Ah bah, tu peux toujours rêver. Ah. Timéo, redonne-moi ça. Non, donne. Ah! Les enfants, calmez-vous. Ah, mais arrête, redonne-moi ça! Aïe! Ah, faut toujours intervenir. Les enfants, vous allez être punis tous les deux, dans vos chambres. Mais maman, je vais sortir avec mes... Ah, arrête, avec mes copines! Bon, si je viens et qu'à trois, vous n'êtes pas dans vos chambres, ça va pas aller. Un, arrête, lâche-moi, Timéo! Deux, trois, vous êtes tous les deux punis de sortie pendant 2 semaines.
Maman! Ah, Timéo! Donne-moi ça! Mais s'il te plaît, maman, pas puni pendant 2 semaines. C'est trop long. Ne négocie pas, sinon ça sera encore pire. Va dans ta chambre. T'es chiante. 3 semaines. Mais non, mais arrête. 4 semaines. Donc 1 mois. Et Timéo, ne rigole pas, je t'entends. Toi aussi, 1 mois. Non! T'as pas le droit de me faire ça! Interdit! Bon, c'est quoi ce bazar? Vous allez vous calmer dans cette maison? Toi, tu vas dans ta chambre. Dépêche-toi. Et Timéo, toi aussi, va dans ta chambre. Vous êtes trop chiant. Ça va, chérie? Ils commencent vraiment à devenir insupportables, ces enfants. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, moi, je retourne. Faire mon petit popo parce que j'ai la diarrhée. On s'en fiche. Ah.